Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien ce soir, encore un live. Du coup, surprise, vu qu'on stream le dimanche, j'avais envie de faire un petit stream sauvage. Normalement j'aurais dû stream le samedi juste après manger, ce que je n'ai pas eu le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé, j'ai fait un peu de tout, enfin voilà, j'ai créé le serveur event, j'ai encore pas mal de programmation à faire, mais j'ai décidé de me détendre encore un tout petit peu. Du coup, sur Hogwarts Legacy, on va continuer la magnifique aventure qui nous attend sur Hogwarts, vraiment au top. Sachant qu'on a pas mal de choses à faire encore, on a encore pas mal de quêtes. Donc c'est parti en tout cas pour Hogwarts Legacy pour ce soir. On est niveau 14, enfin 24, pardon. Ça va, ça va. On a bien step up. Vous voyez, ma dernière connexion c'était le 26, donc aujourd'hui. Pour ceux qui regardent le stream, pour ceux qui regardent la VOD, ce sera un petit peu plus tard. Mais je n'ai pas touché au perso, enfin juste le style. C'est parce que je voulais récupérer mes drops sur la cape de Merlin. On va pouvoir vous les montrer ce soir parce qu'en fait, du coup, il y a eu un drop récemment, la cape de Merlin. Vous pouvez l'avoir. N'oubliez pas que tous les drops de Hogwarts Legacy, il faut aller sur leur page officielle, donc sur Google. Vous tapez Hogwarts Legacy, vous allez sur leur site, donc hogwartslegacy.com. Vous allez voir à un moment donné, quand vous connectez, il y a écrit Twitch Drop Twitch. Vous allez sur cette page-là, et en fait, vous avez juste à cliquer et à revalider sur votre compte Hogwarts. Sinon, ça ne vous l'acceptera pas. Je trouve que cette cape est juste magnifique. En gros, j'ai vu ça, que je l'avais récemment en même temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis. Vous voyez, vraiment, je trouve ça magnifique. Ça fait un peu plus réaliste et haute. Alors, attendez. En termes de gants, qu'est-ce qu'on avait le mieux? Soit on n'a rien, soit on a ça. Ça peut être pas mal, mais en vrai, j'ai préféré avec la petite croix. Qu'est-ce qu'il y a? Des petits gants sympatoches aussi en normal. Peut-être que. Oh! C'est quoi la différence entre cela et cela? Ok. T'as le. Gant de Faraday chanceux, ok. Tandis que là, ça va être des gants de duel raffinés. En vrai, même les gants de duel raffinés sont mieux, je trouve. Il y a un petit relief en plus. En termes de lunettes, on a toujours les mêmes lunettes. Ça fait un petit style Harry Potter. Aïe 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 aïe. Ok, non, je préfère vraiment sans lunettes. Et là, en termes de chapeau, on a un casque, on a ça. Oui, ça fait partie des drops qu'on a eu récemment, donc la covroche. La covroche qui peut être sympa. Ok. Faudrait qu'on fasse un chevalier à un moment donné. Peut-être on pourrait le faire. On peut faire un Ruskov aussi. C'est avec les chapeaux qu'on a. Oula. On regarde quand même tout ce qu'on a. Hein. Ok, non. Donc sans chapeau. Dans les écharpes. On a eu l'écharpe du premier de la classe. Ça c'est cool. Ah mais c'est les trucs de Serdaigle. Nice. Ok. Écharpe de la maison de Frange. Ah du coup, attendez. Première de la classe, du coup, ils sont derrière, tandis que. Oh, ok. Ok, on peut l'avoir dans double style.
Ok. Je préfère ça en écharpe quand même. Hein. Là, dans les capes, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle est bien en vrai pour faire un peu. On va dire. Riche. Là, plutôt guerrier, chevalier. Elle est sympa comme ça. Hein. On a la tenue du tentacule venimeuse. Qui est sympa aussi. Ok. Voici la cape de Merlin. Donc, comme vous pouvez voir, la cape de Merlin, elle ressemble à ça. La cape du mage noir. Un mur du fléau. On peut faire vraiment fléau des araignées. Moi, j'ai la cape du protecteur de peau de dragon. En vrai, qui est vraiment sympa, je trouve. En gros, on a les trucs un peu reptiliens. Ça fait un peu sympa. Le classique traditionnel, ok. Et la variure, ok. Une petite cape. Voilà, après, la plupart des tenues se ressemblent. Sympa quand même celle-là. C'est quoi? C'est la paire de soupe à carreaux. Ok. Elle est sympa, elle est sympa. Celle-là, ça fait un peu riche. Manteau noble. Ouais, bon, en plus. Manteau d'hiver pourpre. Ok, ok, peignoir. Même en neutre, en normal, il y a quand même des tenues assez sympas, je trouve. Il y a quand même des tenues assez sympas, mais en vrai, peau de reptilien. Mais avant de mettre la cape, on va juste tester les petits costumes. Donc ça, c'est quand on est à poil. Donc nous on a la tenue renforcée légendaire qui est quand même assez sympa. Ça fait un peu ensemble de première de la classe, ok. Ok. Putain, champion de jeu quand même qui est sympa. J'aime pas les tenues comme ça en vrai. J'apprécie pas trop après. C'est chacun son style. Ça, je suis pas fan. Celle-là, elle est sympa en vrai. Ensemble, Chamble Cobalt. Ok. Ça fait un peu princier. Un peu noble. Chevalier. Ensemble, Mythique Pourpre. Sympa. Ok, ok. Ouais, en vrai, mon apparence, je peux faire comme ça avec ça en plus par la suite. Voilà, en vrai, comme ça, nous on est des vrais, des vrais, des vrais. Let's go. On a oublié d'activer aussi un petit truc. On va continuer bien sûr nos quêtes. Hein. Merde, j'ai oublié d'activer un petit truc, il est où? Là. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour les drops, n'oubliez pas qu'il y a le drop de Merlin qui est en ce moment. Je sais pas s'il est toujours actif ou pas. Alors. Dans les quêtes. En même temps, on prend notre petite canette de monster comme d'habitude. Ah, c'est sympa. Des créateurs d'invocation, ok. Au devoir. Éclater des ballons près de Polar. Faire pousser des récoltes de. Pour apprendre Flip and Do. Des fines d'eau. Créateur d'invocation. Allô, Mora! Le Mora, faudra qu'on l'augmente aussi.
Parler à... Oh, on peut avoir une petite tenue sympatoche. Vas-y, let's go. On va commencer par les petites quêtes. Revelio. Faudrait pas qu'on oublie de faire toutes les quêtes. En vrai, la peau de reptilien, ça me plaît bien d'avoir une peau de reptilien. Abracadabra! Oh, attendez. J'ai vu un truc qui pourrait être intéressant. Vous voyez ça? Attendez, faut que je descende. C'est vrai, c'est pas comme dans. Assassin's Creed ou des trucs comme ça où tu peux sauter en fait les barrières, etc. J'ai trop l'habitude de Genshin et autres. Là, tu vois, on peut pas sauter. Faut que j'oublie que je suis pas dans les mêmes mondes, voilà. Tu vois, parce que là par exemple, on pourrait sauter, etc. Mais ils ne veulent pas. Alors, Lumos. Je vois pas où c'est ça. Déjà, c'est à l'intérieur d'un bâtiment. Raid d'une statue bizarre. Je sais pas si vous l'avez reconnu ou pas. Vous l'avez reconnu ou pas l'endroit? Moi, de mon côté, je l'ai pas encore reconnu. Ah, attendez, le papillon, il a indiqué quoi? Il y a certains endroits où tu peux utiliser ton contrôle, mais pas le truc dedans. Alors attendez. Oh, il y a une statue. Revelio. Près d'une statue, mais... À l'intérieur? Elles sont près d'une statue à l'intérieur? Je vois pas où c'est. Toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je suis bien content de ne pas avoir un resto. Déjà, il va y avoir un coffre là-haut. Désolé mon cher ami, tu t'es fait avoir par notre magie. En même temps, on n'est jamais passé par ici. Lumos. Wingardium Leviosa. Recepto. Descendo. Voilà, c'est des Confringo. On peut la récupérer comme ça. Ok. Déjà, Axio, toi, tu viens là. On aurait une armoire par ici aussi. Elle serait où la bestiole? J'en
me fiche vraiment rien. Aucune idée. Et si ce faisait, on serait jamais passé. Oh. Déjà, je vois où aller la bestiole. Voilà. Comme ça, on ouvre ton confrère. Ton confrère qui était censé être là-bas. Ah. C'est bien ça. J'ai envie d'appuyer. Dur de dur. Je tourne la maison. Je tourne la maison, je sais même plus à combien on est. Il y avait l'air d'avoir un autre truc là-bas aussi, par contre. C'était ça. Autant la prendre, la page. Récupérer les pages de guide du sorcier Poudlard, 46 sur 50. Donc il me reste encore 4 pages seulement à voir. Après, on a toutes les pages. C'est comme dingue. Hein. Alors attendez. Pourquoi ça, ça bug? Oupa. Un cadet de monstre qui a du mal à passer. Je suis en train de regarder aussi en même temps les paramètres parce que je vois qu'il y a des petits trucs qui planchent. Voilà. J'avais vu qu'on n'est jamais arrivé par là. On était là. Alors la gargouille qui baille. Bien que ces gargouilles crachent de la fumée sans m'enchanter, elle est en réalité la cheminée de la salle commune de Poustouf. Oh. Ok, ok. Il y a l'air d'avoir d'autres trucs hein, quand même dans les parages où on n'est pas allé. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Toujours en train de le tabasser le pauvre. Le pauvre. Je me lasserai jamais hein, de le voir se faire tabasser, mais c'est triste. C'est triste. Hein. Rebellion. On va ressortir. Ouais, du coup, on n'a pas trouvé le. On ne m'a pas appelé Obursouf une seule fois depuis que tu m'as ramené cette feuille de tentacula vénéneuse. Je crois que je suis devenu plus courageux. T'es pas venu plus courageux, t'as juste vu, on va dire. Voilà quoi. D'accord, il s'éclate. Pive. Ah là là, pive. Il y a vraiment une armoire ici, on n'a toujours pas trouvé le. Rébellion. Déjà j'ai trouvé où était le fameux insecte déjà. On l'a pas musclé.
Hop là, elle est là. Elle est enfin arrivée. Hop là, let's go. On a combien de blasons en globalité? Je crois qu'on était à 12, un truc comme ça. Qu'on regarde. Déjà, on aurait retrouvé un autre. On a quand même trouvé pas mal de choses à plus de là. Hein. 80 sur 150. Ça va. N'empêche, dans les outils, on a déjà 909. Ça, c'est cool. Merde, c'est dans les inventaires, je crois. Il fallait regarder. On est à 12. Il en fallait combien de ça? 16 ou 12? Je sais plus. Là, dans celle-là, on n'est jamais allé, je crois. Dans cette salle-là. À moins que ce soit une salle de prof. Non, mais pas, c'est pas une salle de prof. Non, ça n'a pas l'air d'être une salle de prof, c'est rien, c'est que dalle. Enfin, c'est une sortie. Une sortie comme une autre. Déjà, attendez, on voit un miroir là. Alors, comment on pourrait y accéder? Je suppose que. Ah! J'ai vu un truc d'énigme là. Qui a l'air d'être refermé pour l'instant. Ok. Ah oui, c'est peut-être ça que j'avais oublié de noter aussi. Ah, attendez. Est-ce que je peux le rechanger, tableau de bord? C'est ça que j'ai oublié. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Sorcier, tac 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 tac, et du coup, il faut que je mène. Alors, ennemi. Ouais, ça s'écrit bien comme ça. Voilà, comme ça les hashtags. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait tch, et ça fait broum, ça fait bim, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pchit et ça fait boum. Salut, comment vas-tu? Ah, il y a une clé ici. Attends, emmène-nous. Ah, l'armoire qui est là-bas peut-être. J'avais pas fait attention qu'il y avait une armoire ici. Ouais, donc il n'y en a pas 12, il y en a 16 en globalité. Bien, bah top. Désolé, hier j'ai pas pu faire du Hogwarts Legacy le soir après manger, j'étais en train de faire autre chose. Merde, la clé qui a pas voulu. Voilà. Pour l'instant, on arrive à avoir les petits morceaux. Il nous reste quand même 4 pages aussi à avoir de Poudlard A. Et bah déjà on a trouvé une page de Poudlard en plus, elle est là-bas, on avait vu la statue. Mais elle veut pas se remontrer la statue, elle skip. Donc elle serait derrière mais par là. Avec une discussion avec Sirona. Pourquoi pas? Alors toi. Lumos. Vers la bibliothèque, vers le. Rébellion.
Ok. Ah, j'ai trop d'équipement. Ouais, j'aille dans la ville pour les revendre. Je suppose que la statue, enfin le portrait, il était en bas, je crois. Non, il est là. Il est là, il est comme un trou du cul, il est là, le papillon. En fait, le papillon, il est vachement visible. Il est là. Mais toi, ton tatouage. Oui, en effet, mon tatouage, j'ai le 18 mars, Super Gohan. J'ai hâte. Je sais que j'avais paumé le tableau. Il était là, le tableau. Page en plus. 48 sur 50. Et normalement, il y a une dernière page qui devrait être là-bas. Mais on avait vu la statue, donc il y a une statue encore à faire. En fait, en vrai, on a les deux dernières pages. En gros, il y a une statue et l'autre, c'est celle qui est dans la cour. Mais sauf que le papillon, faut qu'on le trouve. Donc on le trouve, le papillon, et je sais pas où il est. Est-ce que ça vous avez... Est-ce que, quand vous avez vu tout à l'heure, la... le bordel, est-ce que ça vous a dit quelque chose ou autre ou... Déjà, attends, faut que je retourne dehors. Je crois que le dernier... J'ai toté là. C'est quoi ça là-bas? Il a... Ah, blablabla. Je me fais agresser dans les buissons. C'est hors de niveau 1. Allô, Mora. Ah, c'est là. Et c'est là. Let's go. Rébellion. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah voilà. C'est ce qu'on cherchait tout à l'heure. Bon bah on l'a trouvé. Je fais ça, les vieux sons. Du coup, récupérer les pages du guide de sorcier à Poudlard. 49 sur 50. Il nous en reste plus qu'une. La dernière, c'est un tableau avec le papillon. Tableau avec le papillon qu'il faut qu'on trouve. Elle n'était pas ici, alors faut que je retrouve. Oui, attends, je m'occupe de la quête après. J'aurais retrouvé l'endroit où c'était avec le papillon, sauf que je suis tellement paumé que... Ah, là-bas? Non, c'est pas celui-là, mais d'accord, en vrai... Si on peut récupérer le dernier... Vers un tableau avec un... Ok. Il est là. J'ai vu le papillon. Lumos. Viens là, toi. Petit papillon, viens là. On récupère au moins la dernière. Là, on est dans les couloirs de puanteur. Ton nom est puanteur. D'accord, le papillon bugué. Hop là, la dernière page de Poudlard qui nous manquait. 50 sur 50. Récupérer les pages du guide à Poudlard. Let's go, le défi a été réussi. Donc on a les 50 pages. On a terminé, donc récupérer les pages du guide des sorciers à Poudlard. On les a tous terminés, donc Poudlard pareil. Donc là, le prochain, c'est récupérer les pages du guide du sorcier dans le Eglam. Oh putain, l'enfer. Enfer. Salle sur demande, on est toujours à 0%. Exploration 2%. Quête 37% et combat 26%. On est encore très très loin. Il nous reste encore pas mal de tenues avant.
ensemble lila. Et la cape, du coup, contenu additionnel en plus, ça c'est cool ça. 30% en tout cas, la globalité du jeu, hein, déjà terminé. Ça va, hein. On avance, on avance. Rebellion. En tout cas, ça fait bling bling par ici. Ça, on les avait déjà pris. Il se fait agresser, le pauvre. On a vu le fantôme se faire agresser. Rébellion. On peut refouiller un coffre qui a déjà été ouvert? Oh, une découverte ça. Là vous avez vu, j'ai pu récupérer un coffre. Par contre en haut il y a l'air d'avoir une énigme encore une fois. Et là, je pouvais prendre quelque chose faisant. Je sais pas si vous avez vu le petit F qui s'est. Je pense que ça va être un pardon. Il y a encore quelqu'un qui tente de passer. Je ferai attention si j'étais vous. Pourquoi? Parce que ça pue? Rébellion. Mais ça fait bling bling depuis tout à l'heure. Avec une ligne. Ça fait gling gling mais très fort. Ça fait toujours gling gling mais très fort. Ça ce serait en haut. Peut-être encore un peu plus en haut. Hein. Qui sait? A l'air d'être là-haut. Ah mais oui, je sais c'est quoi. Parce que je peux pas y accéder, je crois. C'est le bling bling que je peux pas accéder. Oui. Je crois que c'est parce qu'il faut verrou 2. Ah non, si, c'est bon, on peut y accéder. Là. Ok, ok. Verrou 2, je me demande ce que ça va donner. Rébellion. Alors, il y a une petite lettre. Jeu à essayer en classe. Leçon de lévitation. Encourager les élèves à faire léviter des blocs à travers des cerveaux. Des cerceaux volants. Ou autres. Ou autre. Le cerveau volant, let's go! C'est parti pour les cerveaux volants! C'est notre cerveau qui vole. Il est en train de planer, il est en mode. Je suis dans la. Ouais, non, non. Désarmement et esquive. Travailler Expelliarmus et leur réflexe. Cible mouvante. Retour aux bases avec des lancers de sorts sur des cibles enchantées pour qu'elles se déplacent rapidement. Ok, ok. Par contre, dans les équipements, attends. On n'a pas un truc équipement vert qu'on peut retirer. On va détruire. On va détruire que les équipements verts hein, parce que. On a peut-être des équipements après par la suite qui peuvent être sympas donc. Ça fait perdre un peu de thunes, mais pas grave, ouais. J'ai rien de vous dire, la thune, vous pouvez vous en faire tellement dans le jeu. Donc, inventaire, j'ai vu que ça brillait, mais on va attendre. Voilà, voilà un chapeau, ça fait 90 pièces en plus. Qu'est-ce qu'il y a par là? La tour de défense contre les forces du mal, elle s'appelle. Et là, par contre. Ok, je peux pas l'ouvrir. Par contre, il y a bien quelque chose ici. Pression de natte. Ok, ok. Par contre, on est sur les toits de Poudlard. Ok, ok. Donc, on a ouvert quand même un endroit pour les toits de Poudlard, quand même.
Donc il faudrait qu'on y retourne voir quand on aura le level 2 actif. Peut-être qu'il y a une demi-guise. Parce qu'il faut pas oublier que les demi-guises, on est toujours à la recherche des demi-guises. Hein. Pour le professeur Moon. Enfin, c'est Moon ou... Rebellion. Là-bas, il y a l'air d'avoir une énigme. Énigme. En route pour de nouvelles aventures. Alors, pour le premier, 3 plus 0 est égal à 5, donc 2. Donc, 0, 1, 2. Donc, ce serait la chèvre. Voilà. Licorne plus 4 est égal à 12 avec le contenu. Donc, licorne est égal à 1, parce que 0, 1, ok. Plus 5, donc ça fait 5. Ouais, donc faut que j'atterrisse à 7. Donc 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ça a l'air d'être l'espèce de pieuvre bizarre au-dessus de l'araignée. Donc alors attendez. C'est ça. Et là, on ouvre. Let's go! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit coffre. Collection mise à jour, étagère avec crâne. Ok, ok. Là, on peut ouvrir. Allo, Mora. Ok, ok. Pensant le level 1, c'est très rapide à faire. Il y a l'air d'avoir une petite lettre. Il y a un chacha. Il y a un petit coffre ici. Alors par contre les coffres avec les serrures, j'ai jamais fait ça. Alors est-ce que ça va nous donner un bon truc ou pas? Ok. Telle est la question. En vrai on a toujours des trucs à droite à gauche à ouvrir. Un chapeau de sorcier épouvantail qui donne plus d'infinité. Ramassé. Cher professeur chat, je vous remercie de votre récente remarque au sujet des anomalies célestes. Elles auraient tout à fait leur place dans un atlas que j'espère publier. Je ne manquerai pas de vous contacter si je décide d'inclure vos recherches ou certaines de vos autres travaux dans le manuscrit. Mes amitiés, MPN Carnerus. Ok, ok. Il y a un minou qui est en train de miauler. Qui est en train de ronronner, pas miauler. Là, il y a l'air d'avoir une quête en haut ou en bas. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi d'y avoir été inclus. Oui, c'est bien. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, stop it, Leviosa. Non, en vrai, ça va. On a toutes les pages du guide du coup de Poudlard, de Préolard. Il ne reste plus que dans les ouais, dans les bases. Rebellion. Il reste encore pas mal de choses à découvrir. Faut pas oublier. Il y a encore une porte là-bas. C'est quoi comme porte? C'est une armoire? Ça a l'air d'être une armoire. C'est une armoire ou pas? C'est les armoires, faudrait qu'on les termine aussi. Ah, mais non, je sais ce que c'est. C'est la crypte. Mais est-ce que dans la crypte il y avait quelque chose d'intéressant? Je sais plus. La crypte. Il va y avoir quand même des trucs sympas, voilà, des petits coffres à fouiller. Let's go! Ah! On n'a plus d'emplacement. Pourquoi? Parce qu'on est plein. Là, on aurait eu un petit bâtonnet en plus. Mmh.
Ouais, de bonne facture. Aïe 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 aïe. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu celui-là, des petits trucs assez sympas. Bah, je les vois pas. À moins que je sois aveugle, mais. Ah, mais ok. Dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, on a eu deux nouvelles pages. Donc, ça, c'est cool. Ouais, avant de faire d'autres quêtes, on peut aller à Préola à vendre nos objets, ce serait cool. Comme ça, on fera la TP après. Faut qu'on aille ici, donc on va prendre ça. À force dans les piercings, pareil. Hein. J'ai fait les lèvres. Chiant comme on dit, je vais faire aussi la langue, je vais faire aussi l'oreille. Tout refaire l'oreille gauche, ça va être un enfer. Parce qu'en fait, j'ai déjà deux trous en fait dans l'oreille. En gros, alors attendez. Je sais pas si vous pouvez voir ou pas. Mais en gros, ici, j'ai déjà deux trous qui ont été faits auparavant parce que j'avais des boucles d'oreilles. Et c'est vrai que bah voilà. C'est très très pratique. Mais ouais, après j'avais fait l'arcade, j'avais fait le bridge, j'ai fait les lèvres. Donc en vrai, j'ai 4 piercings, mais on a l'impression que j'en ai 2 ici alors que j'en ai qu'un seul. 2 là alors que j'en ai qu'un seul. On a l'impression que j'en ai 4 là alors que j'en ai que 2. En vrai, multiplié par 2. Hein. Multiplié par 2. Bon, let's go. Mais là, le tatouage que je vais me faire, c'est dans le dos, donc il sera pas visible en stream, hein, bien sûr. Après avoir un jour ou l'autre, si je fais mes bras, mais mes bras, s'il faut que je les fasse, il faut que je parte très très loin parce que l'artiste que je veux, en fait, il est déjà très pris, donc ce sera pas pour tout de suite. Et pareil, ça coûte de la chair. Ça coûte de la chair. Let's go, même si c'est nouveau. J'ai vu un violet qui pouvait me donner masse. 59, ok. Comparaison, ouais, on gagnerait un petit peu plus de défense. On gagnerait un peu plus offensif. On va rien lui acheter à lui. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Bah bien sûr, tu vois mon style. Tu vas pouvoir mettre ton casque. Mettre ton casque. Quel casque? Tu vas pouvoir mettre ton casque. Quel casque tu parles? Tu parles de ça là? En vrai, attendez. On va aller lui acheter en vrai. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Tu vas pas pouvoir mettre ton casque. Il y a tant de choses à voir ici. Comment prenez ça, je vais pas pouvoir mettre mon casque? J'ai pas trop ton compris. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gachifon. Va te mentir, je suis un peu dans le flou. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gachifon. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas. Si tu fais les oreilles. Ah, si je fais les oreilles. Si, je vais pouvoir mettre le casque, t'inquiète pas.
Je vais toujours trouver un moyen pour mettre le casque. Au pire, je mettrai des écouteurs et puis basta, on aura le fiac. Hein. Ça me fera des économies aussi. Hein. Les lunettes, tac. Ça fait dégueulasse. Hein. Déjà en gants, on va remettre les gants que nous on avait, c'était ceux-là. On va enlever les lunettes parce que Jean-Michel Trogneux, je suis pas très fan. Ça c'est bon, ça a été remis. Et ça nous c'était ça. Attendez, y a pas un truc qui pourrait être sympa? Là on a ça, on a ça. Je préfère quand même celui-là. Il y avait aussi quoi d'autre? Il y avait aussi ça je crois. Qui peut être sympa. Ouais non, je crois que le mieux ça va être ça. En termes de style. Il y a tant de choses à voir ici, prenez votre temps. Oh t'inquiète pas, il y a aussi beaucoup de choses à revendre mon pote. Il y a aussi la cape qu'il faudrait que je mette. Vous ne le regretterez pas. J'achète que les trucs légendaires comme ça au moins je vais pouvoir plus tard au cas où, mais si je peux mettre des équipements hauts, mais. La cape de Merlin. Bankai. 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 Merci à toi Ilgun pour ton resub. Du coup tu es à ton 6ème mois. Tiens comme ça c'est c'est montré en live. Espèce de vendu pour un sub. Oui c'est vrai. Alors ce qui s'est passé pour vous raconter l'histoire du sub, pourquoi il s'est resub Ilgun aujourd'hui, c'est tout simplement en gros hier sur Apex hors live ce qui s'est passé c'est qu'on était en classé, on était à moins 17 points. Et à un moment donné il voit le vide chez. Écoute, si on saute dans le vide, qu'est-ce que ça se passe? Il me fait, pas capable pour un sub de sauter dans le vide. Ah ouais? Shit, j'ai sauté dans le vide. Il me fait, putain, tu casses les couilles. Du coup, pour un sub, je me suis jeté dans le vide. J'ai perdu 17 points de classement sur Apex. Let's go. Mais au moins, c'était drôle. C'était très, très drôle. Mais merci à toi, Ilgun, pour ton, ton resub de 6 mois. Le vendu, bah bien sûr. Toujours. Ça va en vrai pour un sub. C'est un petit défi sympatoche. 17 points au moins pour un sub XD. Bon, ouais, écoute. Tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Ça fait améliorer un peu ma chaîne aussi en même temps. Et au moins, ça donne du défi. J'espère au moins la prochaine fois qu'on pourra le faire en live, ça pourrait être drôle. Mais ouais. Bien sûr, si on me donne des défis avec des donations ou des trucs comme ça, bien sûr que je vais les réaliser. Enfin, je vais essayer de les réaliser si c'est possible. Par contre, attendez. La quête de Poudlard. Une carte du monde, non, Poudlard. Poudlard en lui-même. Oui, c'est. Je crois que c'était lui qu'il fallait que je fasse. C'est ça, on va retourner là. C'est pas grand chose, il aurait pu faire mieux, lol. Imaginez ce qu'il serait capable de faire. Il renie son ego pour de l'argent. Ah, quel enfant. Il gagne quand même pas. En vrai, quoique, non, l'ego ça va. En vrai, je pourrais sacrifier mon ego pour l'argent, ça c'est sûr et certain. Par contre, ma dignité, non. Ça non, par contre ça je pourrais pas la ruiner. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire pour de l'argent, ça c'est clair et net, comme foutre un poignard dans le dos d'un ami ou des trucs comme ça, non je peux pas. Pour de l'argent je ne le ferai jamais. Renier une personne pour de l'argent je ne le ferai jamais.
Bientôt il fera du hot tub. Va te faire, Egon, je ne ferai pas du hot tub. Le mec il me voit directement dans la catégorie X. Let's go. Oh putain. Même modérateur quand même qui s'y met. C'est bien ça? J'ai reçu ton hibou. Oui, je suis Adélaïde Duchesne. Oh non. Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé au sein de la communauté des Gobelins. D'habitude, il m'envoie des hiboux toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ses gobelins extrémistes, les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps, et depuis, je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Préolar et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués, je crains le pire. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop? Ah, on va répondre à ça juste après, mais j'ai juste de voir le message d'Igon. DJ FT amourante, bientôt sur la chaîne. Mais va te faire foutre, putain. Déjà que Kourou m'avait fait la blague de sub amourante déjà la dernière fois. Bah bien sûr, comme d'habitude. Mais en vrai, c'est drôle, des trucs, tu sais, des défis sub ou des trucs comme ça, limite, je pourrais le faire. Ouais, mais après, tu sais, sachant que nous, on n'en est pas loin et qu'on n'a pas financièrement la possibilité, un ou deux subs maximum, tu sais, ça peut être drôle. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Mais pas tous les soirs non plus, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, dans tous les cas, je ferai pas ça tout le temps. Peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Elle a appris que j'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Le gars, juste à la gueule, il m'a dit, vas-y, je vais essayer d'avoir des points. J'ai entendu dire que tout comme oncle Roland, toi aussi, tu avais un enfant pour l'aventure. Pas capable pour un seb. Le pas capable, il le fait quand même, ce jeu. Ton oncle fait-il souvent affaire avec les gobelins? Oui, et ça depuis longtemps. Il parle même le gobel Babil. C'est dire. C'était drôle. Mais il ne m'a parlé de la bande de Ranrock que récemment. Mais c'est dommage qu'on en a pas Rek. Et il a insisté sur le fait que le risque en valait vraiment la peine. Il fait tout ça pour moi. Il faut dire qu'entre les tenues et les fournitures, ce n'est pas donné d'aller à Poudlard. Bah, en fait, on parle de et en plus, Roland a plutôt des goûts de luxe. Il a tant sacrifié pour moi toutes ces années. Je lui ai promis que dès que j'aurai fini mes études à Poudlard, ce sera à mon tour de m'occuper de lui. Ok, ok, ouais, parce que là, pour l'instant, j'ai vu qu'on était 6-7 à avoir rejoint le Discord. Pour l'instant, j'ai reping toutes les personnes qui m'avaient dit oui, ok pour. Même ceux qui m'ont dit à voir pour la soirée. On est quoi? On est 6? Mais ce qui serait bien, c'est qu'on soit minimum 10 à chaque fois, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit, faut taper le maximum. J'ai vu qu'il y en a un qui est quand même sur le deuxième serveur, il allait sur le... Ouais, sur le VOC. Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, voilà. Bah, si tu veux, je peux vite aller le rejoindre. Hein. Tu peux, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un pote de convention que j'ai eu. Du coup, il a fait Rick et Morty, en tout cas, lui, son cosplay. Tu vas voir, il est sympa, en vrai. Ok, bah vas-y, moi je reviendrai peut-être après. Ça marche, mais voilà. Bah vas-y, à tout à l'heure peut-être. Sam. Et essaye de voir avec Kourou, vu que lui aussi il est sur Hogwarts. Vous pourrez peut-être. Bah, je vois une trop de me faire spoil et j'ai vu qu'il était aussi sur Hogwarts. Ouais, mais lui il est en pauvre souffle, donc je crois que c'est même niveau que toi. Donc... Ouais, voilà. Mais après, on va parler dans la même direction, mais à notre chat, etc. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Je vois. Attends, je vais le rejoindre en vocal, je vais dire bonjour et tout quand même, la politesse. Après, si tu veux, tout à l'heure, on pourra faire un peu de Apex encore une fois en live, mais là, pour l'instant, je vais faire quand même, j'irai une heure et demie, voire deux heures en Hogwarts. Je sais pas, peut-être... Mais non, moi, il faut que je fasse un truc là maintenant, en fait. J'imagine que tu es proche de ton oncle. Oui. Ma mère est morte quand je suis née. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. C'est Roland qui s'occupe de moi depuis toujours.
Il sait que je m'inquiète quand il voyage. C'est pour ça qu'il m'envoie tous ses hiboux. Pour me signaler que tout va bien. En tout cas... Je vais faire des recherches. Merci. Il tient ses registres méticuleusement. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes. D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Il pensait monter le camp au nord d'ici. J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. D'accord, donc lui, son... Enfin, elle, son oncle, elle a eu un problème. Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose. Ok, donc il faudrait qu'on retrouve son oncle. Ok, let's go. Réveillon. J'espère que Roland, l'oncle d'Adélaïde, va bien. Elle avait l'air inquiète. Selon Adélaïde, le campement de son oncle se trouverait vers Bourgaren, après la rivière. Le pauvre, il va se refaire tabasser. J'ai pas pu voir son tabassage, mais voilà. On en a vu un tout à l'heure. Les deux armées, en fait, sont toujours en train de se battre à 24. Ok, il y a un truc là-bas, quand même un autre tableau. En fait, il y a encore des tableaux alors qu'on a tourné toutes les pages. C'est quand même hallucinant par contre. C'est de 100 mètres? Vous savez quoi? On va utiliser le balai. Ça va déjà plus rapide. Par contre, il y a des bugs. On fait des drifts. Par contre, ouais, il y a des bugs. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas atterrir ici. Ça m'intrigue. What the fuck? C'est quoi ça d'ailleurs? On ne peut pas descendre de notre monture, mais regardez ce qu'on a trouvé. Il y a des gens qui s'amusent avec des cerfs-volants. What the fuck? Je sais pas où je suis arrivé, mais ok. De mon point de vue, ceux qui voient le monde en noir. Il y a des petits bugs comme ça. Pourrait-il s'agir du campement de Monsieur Duchesne? Des fidèles de Ranrock, juste devant. Vaut-il mieux employer la force ou faire preuve de discrétion? Encore un humain? Force ou pas force? Ludicus Totalus. Déjà ça. On peut faire ça. Ah ouais, t'atteignes pas? Ah ouais, t'atteignes pas? Banane, bah. Par contre, il y a des sacrés lags. Attendez, c'est quoi ce délire? Registre des transactions de Monsieur Duchesne.
Le groupe de Rock a accepté de me rencontrer, mais je ne suis pas rassuré pour autant. Ils m'ont revu leurs demandes et sont mis en colère quand j'ai posé des questions. J'ai surpris une conversation en Gobelbabil au sujet de leur plan. Ils veulent s'emparer de mes gisements, les métaux rares, pour les forêts. Je ne voudrais pas les contrarier davantage car ils m'ont l'air assez soupolés et je compte beaucoup sur la réussite de cette transaction. Nous pouvons peut-être trouver un compromis, ou peut-être pas. Roland Duchesne. Adélaïde a dit que son oncle notait toutes ses transactions sur des cartes. Ses repères nous guideront peut-être jusqu'à lui. D'accord. Réveillons. Déjà, on va pouvoir prendre les coffres ici. Et là, il y a l'air d'avoir un petit truc aussi. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Lumos. Revelio. Lumos. Ok. Petit coffre sympa qui me donne quand même un petit matériel. Donc faire attention, ok. Utiliser la carte, ouais, faut utiliser la carte du coup. Oh, attendez. Pour un point, on a toujours plus de défense. 1195 de santé, 199 de défense, 193 d'attaque. Vas-y, ouais. Donc, à partir du point de repère, donc on descend tout ça. Et après, à la fin, on tomberait sur. Sur une petite barrière. Donc, ok. Donc, en descendant le camp. On peut tomber sur un truc sympa d'après ce qu'ils me disent. Donc les rochers bizarres. Les pierres de lune, ça on les prend. Une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant, je dois trouver l'arbre tordu. On prend les matériaux. J'ai vu qu'il y en avait. Je sais pas si ça me sert d'en avoir autant parce que j'ai vu qu'il y en avait des masses quand même des pierres de lune, mais par contre on a des petits sauts d'image, c'est normal. Hein. On a toujours eu, je sais pas pourquoi il y en a autant sur ce jeu. Et voilà. Un arbre tordu, comme sur la carte. La tour en ruine ne devrait pas être bien loin d'ici. Le ministère devrait revoir sa position. Vous savez quoi? Eh bien ça. Ça, je sais pas, il est mort direct. J'ai l'impression de faire ça. Bon. C'est sans haut. Hop là. En plus, il y a l'air d'avoir des épreuves de Merlin, mais.
la 8 en plus. Voilà une agréable surprise. Épreuve de Merlin, qu'est-ce qu'il y a dans cette épreuve? Et voici la tour en ruine. L'endroit indiqué sur la carte doit se trouver juste au sud. Il y en a un à avoir que deux. Ok, il y en a un autre là-bas. Ok. Donc il faudrait que je fasse là, là, là. Confine-go. Putain, le pont de merde. Je me demande qui vivait ici. Voilà. Ne me résisteront pas. En fait, faut les activer en même temps, donc c'est pour ça, c'est un peu chiant, mais là, on a les sorts à distance. Sort de feu à distance, donc let's go. Tour perdu, elle est là. Rebellio. Allez, vous. Leviosa. Protego. Expelliarmus. Confringo. Leviosa. Action. Voilà, on prend les petits loups. Beaucoup de choses ici. Qu'avons-nous là ? Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Revelio. Bon, je me suis gouré de sang, voilà, c'est ça que je fais. Exactement ce qu'il fallait. Je me bats depuis bien avant la naissance. Ouais. C'est pas pour autant que tu sois fort. Rebellion.
Ah bah, mais en silence. Banane va. Voici l'endroit indiqué sur la carte. J'ai intérêt à rester sur mes gardes. Les murs. C'est moi. Les vieux tôt. Ok, ça a l'air d'être bon. Ce n'est pas le meilleur endroit pour arriver sans compagnie. Ok, ok. On va dans un endroit secret. De côté, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça. On va se remettre dans l'ambiance. Donc on va activer la lumière parce que j'ai vu que on avait plus de lumière. On a plus de lumière maintenant. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Voilà. Normalement, ça va être bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Un petit réveillon. Pourquoi ça fait quoi et tout? La petite bourse. Réveillio. Les sorciers n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à nous. Ah bon? La compagnie de ce misérable être humain ne fait plaisir à aucun d'entre nous. J'ai entendu quelque chose, ça ne fait aucun doute. Une fois la guerre terminée, les gobelins régneront enfin sur les sorciers. C'est gentil à toi de passer. Hop là, let's go. Réveillon. Allô, Mora. Allô, Mora. Hop là. Let's go. Réveillon. Déjà, je sais même pas où il faut partir, mais... En gros, t'as une quête là-bas, t'as un peu de tout. Réveillon. Ranrock, vous êtes tous trompés et vous a mené à votre perte. Réveillon. Ouais, ça choque, hein, non? J'ai l'air d'avoir rien d'autre. Donc après, c'est obligatoirement de partir là-bas. Confine-toi. Ok. Réveillon. Ok.
Ok. En vrai, la crypte. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Tiendra la leçon après son séjour en cellule. Aucun doute là-dessus. T'as peur de m'affronter ? Rébellion. Ok. Il y a quand même des... Oh, des petites potions en plus, sympa. Par contre, ici, quand même, ça a l'air d'être un ancien bâtiment, quand même, à un moment donné. C'est sympa, le bâtiment, vraiment. Par là. Il a l'air d'avoir une salle ici, ok. Je vais pas les affronter tout de suite parce que j'ai vu qu'il y avait un autre truc aussi là-bas. Alors attendez. C'est quoi ce suffixe? Attends, c'est. Repulso. Levioso. Esperamus. Bombarda. Glacius. Stupéfixe. Ah, je crois que non, attends. Je crois que stupéfixe c'est par rapport à ça. Avelio, Protego, stupéfixe. Ouais, ok, ok. Après, vrai, j'utilise Protego et après, ok. Ok, là cette fois-ci je suis en bas. Je ne m'arrêterai pas. Je crois pouvoir me faire. C'est plus que. Hop là. Ça fait mal. Plutôt qu'il lui a fait quand même mal, mais qui m'a quand même déchiré.
pas. Meurs. Massacre. On a massacré des gobelins. C'est tellement révélio. La porte d'une chaudière. Comment l'ouvrir? Non mais je l'ai vu. C'est tellement révélio. C'est en train de dire mais quelque chose mais voilà. Voilà. Par contre en plus. Il y a l'air d'avoir des trucs ici aussi en même temps. Il y a l'air d'avoir des petits trucs. Ah. Est-ce qu'on n'aurait pas de l'équipement trop qui serait inutile peut-être? Déjà on peut faire ça, les gants comme ça, en plein. Ok. Ça, ça va finir la revente, ça va finir aussi la revente. Ah, la plupart des trucs, ça va finir la revente, d'habitude. Collection. Ah, la pomme verte en plus. En plus, il y a l'air d'avoir encore des adeptes de Nranrock. Cool. Bon. Nous obtiendrons ce qui nous est dû. Allez. Je vais me tirer. Hop là, j'ai eu le temps. Hop là. Meurs. Je n'ai eu aucun mal à dire. Tu ne m'arrêteras pas. On boit, on pique. Je suis le sorcier. Ranrock, tu as maintenant un fidèle de moi. Niveau 25, ça va, nickel. Non de menthe, non de menthe. Il y a quand même pas mal de choses à récup, du coup, vu qu'on en a tué quand même pas mal. Ça ne veut pas. On a trop d'équipement, j'ai spammé comme un gros connard. Ah, attendez. On peut retirer. En fait, tous les équipements verts, on peut les retirer. Plus pour un équipement bleu, quoi.
pour un équipement vert avec. Réveillon. Putain, encore de l'équipement. Ouais, je retiens encore deux équipements, ils font chier. Vraiment vivement que j'ai plus de place parce que là je suis à 20 places donc c'est un peu galère. On vient juste enlever les lunettes. Là on a rien d'autre. Là on peut retirer ça. Tac tac tac. Après le reste ça va me faire chier de les enlever mais. Ok, il y a un truc qu'on va faire en découverte et l'autre ça. Ok. C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne. Il va peut-être. Ouais, c'est, que, c'est ça qu'il faut que je fasse. Détruire, voilà. Libérer maintenant. Ah, vous pouvez pas transporter plus de Wig of Hill. J'en ai 25, ok. Donc en gros, mon maximum c'est 25. Je suis au max de la Wig of Hill. Ok, Wing of Hill à fond, ça ok. Il y a l'air d'avoir encore des trucs, des infidèles en dessous. Ok, par contre, il y a des murs comme ça. Faut vraiment qu'on trouve alors les bons murs. Bah là, je suppose que c'est à exploser. Non, on ne savait pas. Ok, alors ça va être ceux qui étaient en bas de tout à l'heure. Ouais, c'est ce chemin là. Ok, ok. Je me demande si l'oncle d'Adélaïde pourrait être là-dedans. Ça me fait chier pour les équipements. Punaise, alors attends. Qu'est-ce qu'on peut retirer, soi-disant, cet équipement-là? Hop là. J'ai pas d'autres équipements, non, c'est bon. C'est la Wing of Hill, ok. Réveillon. Il y a des prisons quand même un peu partout. Hein. Donc ancien château, ancienne prison. Et oh, Monsieur Duchesne? Oui, je suis là. Ils ont pris ma baguette. Le verrou de la cellule a été enchanté. Je connais bien ces serrures, mais il me faut ma baguette si je veux espérer une vie. Cherchez une porte de chaudière. Je les ai entendus en parler. Par chance, j'ai déjà trouvé votre baguette, Monsieur Duchesne. Je vous en prie, rendez-moi ma baguette. Je ne peux sortir de cette vicieuse cellule sans elle. C'est mon dernier espoir. Pitié. Voilà, je l'ai donné. Je l'ai donné votre baguette. Ouvrez cette porte. Ah oui. Vous avez réussi. Vous avez trouvé ma baguette. Et attendez, vous êtes si jeune. Venez, nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, Monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin, vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé? Je suis une amie d'Adélaïde, Monsieur Duchesne. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cet accord. Et quand je leur ai dit, ils m'ont bandé les yeux et jeté en cage. J'ai été enfermé dans cette maudite cellule depuis si longtemps qu'ils m'avaient oublié. J'ai entendu des choses. J'aurais aimé vous récompenser comme il se doit, mais ces maudits gobelins ne m'ont pas laissé une noise. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, sincèrement. Ok, ok. Qu'avez-vous entendu? Vous avez dit avoir entendu des choses? Rien de très réjouissant, je le crains.
Je crois que Ranrock a décidé de régler ses comptes avec les sorciers. L'élevage de dragons a été interdit par la Convention des sorciers de 1709. Mais Ranrock est tombé sur un élevage illégal. Il était jeune et trouvait ces créatures fascinantes. Il se rendait au camp en secret dès qu'il en avait l'occasion sans jamais se faire repérer. Après des semaines de prudente observation, il a finalement trouvé le courage d'aller parler aux responsables. Ranrock voulait les rejoindre, eux et les créatures. Le sorcier avait laissé tomber sa baguette. Ranrock y a vu une opportunité. Il l'a alors ramassée et est allé la lui rendre avec la seule idée de se présenter. La vue d'un gobelin armé d'une baguette a rendu le sorcier fou furieux. Il a rossé Ranrock et l'a laissé pour mort. Depuis ce jour, Ranrock déteste les sorciers. Nous sommes tous aussi cruels à ses yeux. D'accord. C'est pour ça que Ranrock est comme ça. Vous parlez le gobel babil, je crois. Les sbires de Ranrock n'en savent rien, mais oui. J'ai toujours apprécié la culture gobeline, et je me destinais au commerce du métal depuis mon enfance. Apprendre leur langue n'a pas été simple. Elle est complexe, et ma mémoire ne vaut pas mieux que mes genoux aujourd'hui. Mais après des décennies à travailler avec des gobelins respectables, j'ai fini par la maîtriser. Du moins, c'est ce que j'aime à croire. Ok, ok. Je suis contente d'avoir pu vous aider, Monsieur Duchesne. Adélaïde a beaucoup d'estime pour vous. C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe son temps à analyser mes hiboux. Ah, si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver un vieil ami. Je dois rentrer pour dire à Adélaïde que je vais bien. Vous allez vous en sortir ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Duchesne. Bien sûr. Retournez auprès d'Adélaïde. Elle s'inquiète bien plus pour vous, croyez-moi. Ah, j'ai hâte de retrouver ma chère nièce. Et après ça, je partirai loin d'ici pour mes prochaines affaires. Merci. J'espère que la vie vous récompensera pour vos actes. Bonne chance à vous. Merci. Merci, écoute. Wouah ! Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Ranrock ne l'auraient jamais libéré. Putain, il est disparu pour revenir ici ? Quoi ? Fantôme ! Le fantôme de Monsieur Duchesne ! Il possède cette cellule ! Rétro Quesadas ! Ok, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de bruit à faire. Ce qu'on peut faire nous, c'est regarder la map. Et essayer de voir si on peut aller... carte. Non, on peut même pas aller à la carte. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte de ce bâtiment. Et après, tout ira mieux. Par contre, ce château abandonné, vraiment, ça peut faire un bon repère sympa. Vraiment très très sympa le château. Les catacombes comme ça, j'adore. Vraiment. Du coup, on était ici. On peut aller à Préolard déjà. Aller vendre nos items. Let's go. Comme je l'ai dit, hein, la thune ça va se faire très très rapidement. Mais on va les perdre aussi très rapidement. Parce qu'il y a aussi tous les plans à avoir dans la boutique de Préolard qu'on n'a toujours pas pris. Faut qu'on aille les choper. Faut qu'on aille les choper. Je sais pas quand, comment ou autre, mais voilà. On va essayer de les choper tout à l'heure. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Réveillon. Qu'est-ce que j'adore cette magie. Entrez, faites un tour.
Et si vous avez mangé des choco-grenouilles, ne touchez à rien. Pourquoi les choco-grenouilles? Il aime pas les choco-grenouilles? Ah oui, ok, c'est du chocolat. Oui, on me l'avait dit, c'est du chocolat. Et vu que c'est des vêtements, du tissu, ok, pour éviter de les salir. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Ah, une demi-guise. Tu es à moi à présent, demi-guise. Il y avait une demi-guise ici, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a aussi ici, des demi-guises. C'est vrai que je peux faire Revelio pour moi les demi-guises. C'est vrai, c'est vrai. J'ai détruit comme un bourrin le bois. Ce traîne savate va avoir ce qu'il mérite. Confringo. Expelliarmus. Axio. Levioso. Incendio. Repulso. Descendo. Réparo. Non. Expelliarmus Confringo. Non, cette maison-là, je peux pas y accéder. Cap pas pour le moment. Donc, c'est une serre de level 3. Une cellule de level 3. Ça reste une demi. Je regrette d'avoir mis fin à notre collaboration. Faut vraiment que je regarde combien j'ai de demi-guise. Ça a l'air d'être une demi-guise là-bas. Faudrait j'aille voir monsieur Moon. Faudrait j'aille voir monsieur Moon pour ça, pour savoir combien j'ai de demi-guise. Comme ça on pourrait essayer d'avoir le... Ouais, je crois que... Je peux pas avoir mieux en termes de demi-guise. Entrez, entrez! Ne soyez pas timide! Parlez. De quoi avez-vous besoin? Ah, c'est vrai qu'on peut changer les coupes ici. Non. Revenez quand vous voulez. Oui, mais t'inquiète pas, je ne viendrai pas. Votre boutique, je ne l'apprécie pas. Vous n'avez pas assez de compétences. Revelio. Ah, là, on n'a pas encore ouvert. On a quand même des trucs intéressants. Ok. Là, comme ça. Et ça, c'est par là. Ok. Comme on crochet des serveurs. Et là il y aurait quoi? Une demi-guise ou pas? Pas l'air d'avoir une demi-guise, juste un petit sac avec un petit usage. Ok. Serveur level 3, donc je ne fais pas pour l'instant. Il y a l'air de voir rien d'intéressant. Tu serveur es à moi à présent, demi-guise. Bon, donc il y a une demi-guise, mais au level 2. Donc je ne peux pas aller accéder à cette demi-guise là pour l'instant. Donc ça ce sera quand on va devoir passer au niveau supérieur. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Là c'est quoi ça? C'est l'heure de level 3. Revelio. Level 2. La musique du jeu a décidé de bugger.
encore des serrures à ouvrir. Level 2, level 2, level 2, level 2, il n'y a que du level 2. En tout cas, j'ai l'air d'avoir tout pris en compte. Ouais, faudrait que je les craft. Dans les quêtes comme ça. Ouais, de nouvelles compétences, ok. Donc, combat à 32%, quête. Ok, ok. Terminer les quêtes principales, ok. Donc on a bientôt terminé les quêtes principales, d'après ce que j'ai vu. Ça, ok. L'inventaire, qu'est-ce qu'on a? L'une des demi-guises, on en a 5 à faire. Ok, donc il nous reste quand même pas mal de demi-guises à faire. Je crois que les autres demi-guises sont un peu de l'art, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est après, là, on a l'air d'avoir tout fait en demi-guise. Là-dedans, ok, des nouveaux gobelins. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles tenues, non? Ok. Ok, là il y a l'air d'avoir des nouveaux meubles, mais je sais pas, je les vois pas. Ah, si, ça, ok. Les têtes. C'est les têtes. On pourra approcher des têtes. Dur. Et là, en magie noire, est-ce qu'on peut apprendre un nouveau sort? Donc, non. Sort en globalité. Ok, cœur. Dégâts directs à l'impact. Ok. Ok, le lanceur de magie ancienne permet d'attraper le lanceur et les armes ennemies. Ok. Bah écoutez, je sais pas quoi augmenter en vrai. On peut faire ça. De toute façon, il y a que 3 compétences que je veux augmenter pour l'instant. Sort, magie et sortilège. C'est quoi la carte des quêtes? Carte de Poudlard. Parler à Sofrika de Tontu. Oh, attendez. Ça se trouve, c'est pas elle qui fallait que je parle. Ça se trouve, c'est. Faut que je reparle à l'autre personne là. Comment elle s'appelle? C'était la nièce de Monsieur Dubois. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Monsieur Dubois. Réveillio. D'accord. Quel plaisir de vous revoir. Là d'avoir un bruit comme s'il y avait une. Ok. Le 2010, par contre, je ne sais pas où elles sont. Après, il m'avait dit tout en haut des châteaux. Tout en haut des châteaux, peut-être il y avait une demi-guise. Ça a l'air de biper en plus par ici. Rebellio. Ah, mais ça, c'est la salle sur demande. Oui, je suis à côté de la salle sur demande. La salle sur demande, déjà, on va voir ce qu'on peut créer. Déjà, on a.
On a trois trucs à dégager. Trois petits trucs à dégager. Chic? Ah, Chic est très heureux de vous voir. Chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chic a déjà vu ce genre de choses. Chic appelle ça un sac de capture. D'accord. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Oh. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chic. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chic peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir nos propres créatures maintenant ? Ça peut être cool, ça. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chic quand vous voudrez. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Non, la salle, je la garde. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? Finalement, ne changeons rien. Mais merci, Chic. Déjà. Alors. Alors, on révèle un petit peu ce qu'on a eu. Tenue astrale, ok. Apprenez-moi à me servir du sac. Hop là. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chic se charge de tout. Mm-hmm. Le petit Chic se charge. Ok. Non, en vrai, ça a l'air d'être bien pensant. Mais comment on va pouvoir les capturer, en fait ? Et surtout que c'est pas un peu débile, parce qu'en fait, les braconniers, déjà, de base, ils les capturent pour les revendre, etc., pour les tuer. Bon, certes, nous, on va pas les tuer, mais on les capture quand même aussi. Donc on vaut pas mieux que les braconniers, en fait. Un vil braconnier. Chic a détesté devoir le servir. Chic peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chic a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Mm-hmm. Nous sommes arrivés. Chic adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Sac, ok. Alors, le sac de capture permet de récupérer des créatures magiques et en détresse. Appuyez sur T. Pour déplacer votre curseur au-dessus du sac et du capture, maintenez et faites-le glisser. D'accord donc. Ok, donc le sac. Toudou, j'essaie seulement de t'aider. Ouais. Hop là. Enfin, je capture comme ça. Tout va bien à présent. Oh non, c'est pas vrai.
Hop là. C'est drôle. Faut que je capture, Je veillerai bien sur toi. Bon, c'est encore une capture. Il n'en reste pas une quelque part par pur hasard. Elle n'arrive pas à en avoir d'autres. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante, un jobarbi peut-être. Très bien. Où puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Ok, ok. Ça va être sympa. Mais je pense qu'on fera ça bien plus tard. Vu l'heure, je pense que je vais stopper le live pour l'instant. On va reprendre tout à l'heure pour du Apex. N'oubliez pas pour tous ceux qui sont présents et qui sont nouveaux, bienvenue en tout cas à vous, même les anciens. Merci en tout cas pour votre lurk, merci pour votre soutien que vous faites. Tout simplement, n'hésitez pas à checker la bio parce qu'on a Discord, Insta et TikTok, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Si on a aussi cosplayer, donc let's go, let's go, let's go. On va raid du coup quelqu'un qui fait du Hogwarts Legacy, donc on va raid le petit Kuro qui est là d'enfer. Donc c'est parti, moi de mon côté. Je vais aller le raid. N'hésitez pas à aller checker chez lui son aventure. Lui, il l'avait déjà terminé, il me semble, mais il avait fait une amélioration, je crois. Je suis plus sûr. En tout cas, moi, de mon côté, je vous remercie à tous d'être présents. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour du Apex en stream sauvage. Normalement, on stream le lundi, mercredi, vendredi de 19h à 22h. Mardi, jeudi et samedi, on a les rediffusions, donc les VOD. N'oubliez pas, et on a aussi le mardi et jeudi les vidéos TikTok. Voilà, voilà. Donc moi de mon côté, je vous fais des énormes bisous, et bon live chez Kuro, et apportez-lui du